les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Army of Darkness Defense. Donc j'ai pas pu tourner de vidéo hier parce que j'étais un peu occupé. Donc du coup on va faire une vidéo d'Army of Darkness Defense. Mais tout d'abord, on va désinstaller le jeu et recommencer tout depuis le début. Alors je sais pas si vous entendez ma voix, dites-moi dans les commentaires. Sinon faut que je fasse une vidéo et recommencer. Donc du coup c'est parti, nous allons réinstaller Army of Darkness Defense pour recommencer tous les niveaux. Alors du coup, il faut que j'aille dans les fichiers apparemment. Voilà. Ok, Army of Darkness Defense, il est où? Faut que je le cherche. Ah, parfait. Je vais réinstaller. Si on peut, bien sûr. Voilà, c'est bon, on peut réinstaller. Normalement, je pense à recommencer tous les niveaux. J'espère. Voilà, c'est bon, les amis. Normalement, c'est bon. Voilà, c'est bon. Là, ça a tout recommencé normalement. Voilà, donc le jeu a été. Voilà, on a tout commencé. Bon, malheureusement, ça nous a mis jusqu'à la vacance. C'est normal, c'est un. J'ai. Comment dire. J'ai glitché à Army of Darkness Defense. J'ai glitché. Du coup. Comme j'ai glitché, bah voilà. Je peux tout améliorer. Je sais que vous allez dire que c'est de la triche, mais bon, moi c'est. D'habitude, je triche pas sur Army of Darkness Defense. Mais comme il n'existe plus, donc j'ai le droit de tricher, quoi. Vous voyez, j'ai le droit de tricher. Donc du coup, on est jusqu'au niveau 4 parce que le niveau 1, bah j'ai pas pu le faire. Mais c'est pas grave. On est au niveau 4. C'est mieux que rien. Donc voilà, ça commence, les gars. On va pouvoir faire une. On va faire au moins 20. On va faire 15 niveaux, d'accord? 15 niveaux. On va faire 15 niveaux, d'accord? Oula. Où ça m'amène? Oula. Désolé. 15 niveaux. Allez, c'est bon. Du coup, on y va, on commence. Allez. Du coup, je triche parce que le jeu n'existe plus. Vous savez que je triche et comme ça. Mais bon, voilà. Du coup, on les défonce tous. Voilà. On recommence tout niveau depuis le début. Comme le jeu n'existe plus. Alors dites-moi en commentaire si vous entendez ma voix. On va y défoncer, c'est sûr. Ah, ils sont tous morts. Et voilà, c'est bon. Un de deux unités, parfait. Alors, du coup, on va améliorer tout ceci. Du coup, voilà, c'est parti. Donc moi, ça s'appelle le Army of Darkness Defense APK Mode. Comme vous le savez, je l'ai hacké. Normal, j'ai hacké Army of Darkness Defense. Normalement, je ne fais pas ça d'habitude. Avant, quand il existait, je ne faisais pas ça. Maintenant, je le fais parce qu'il n'existe plus. Donc du coup, voilà, j'en profite pour hacker. Voilà. Surtout, c'est juste les pièces qui sont hackées. Hein. Sinon, il n'y a rien d'autre qu'à hacker. Hein. C'est juste tout est. Voilà, quoi, tout est hacké. Enfin, pas tout, mais les pièces, quoi. Tout est hacké en pièces. Vous voyez? Du coup, ça prend plus de temps à améliorer. Je suis désolé. Faut que je mette en pause. Voilà. Parfait. Je peux vous assurer, j'ai jamais hacké Army of Darkness Defense. C'est la première fois que je le fais. C'est plutôt pas mal, mais bon. Je préfère pas le hacker en vrai s'il existe encore. J'aurais pu dépenser de l'argent, mais bon, malheureusement, le jeu n'existe plus, c'est un peu dommage. J'aurais pu dépenser de l'argent, mais bon, pas grave. Voilà. Ça, c'est les premiers squelettes qui sont vraiment nuls. Eh oui, Army of Darkness Defense, c'était une bonne époque comme jeu, hein. C'était vraiment une bonne époque. Oh, ça fait pas mal du tout. Et ça, c'est le premier squelette. Voilà, en mode niveau 2, niveau 1. Voilà, voilà c'est bon. Archer, les amis. Maintenant, les archers. On va les placer. Enfin, genre, les améliorer déjà. Voilà, c'est parfait.
On y va. On va invoquer les troupes, les amis. C'est parti. On va jusqu'à 20. On va jusqu'au niveau 15 ou 20. On va voir sur ma vidéo. Je pense qu'on va jusqu'au niveau 20. Allez, pour vous faire plaisir, on va jusqu'au niveau 20, d'accord? Et après, on s'arrêtera là. Du coup, je dois refaire des raccourcis de vidéo. Parce que voilà. Non, touche le passe squelette pour l'instant. On va mettre des nuls, d'accord? On va mettre des nuls. Mais ils sont bien forts, les nuls, vous allez voir. On va rester mieux ceci. Allez, allez, allez. Ça va bien. Les squelettes arrivent. Vite. Voilà, c'est bon, les amis. 500, 300 chargés. Ça s'en charge tout seul. Là, c'est l'évolution du livre, mais le livre méchant, bien sûr. Ils sont tous dégommés. En vrai, c'est un peu cheaté le jeu, comme c'est un petit peu cheaté, mais en vrai, ça va. Ok, les archers, parfait. Première tour, on débloque du château. Donc, on va améliorer le château, on va améliorer le nécromaton déjà. Ouais, il y a beaucoup de santé là. Je vous ferai demain un épisode d'Armée de Dernière Défense. On va jusqu'à vague 20 et après on vous fera un épisode demain. Un épisode demain d'Armée de Dernière Défense. Voilà. Allez, let's go. C'est parti. On va mettre des unités. Ils sont tous butés. Voilà. C'est normal. Parce que je dois améliorer direct. Après, je couperai pour améliorer les unités. Hein. À la vague, on ira jusqu'à vague 25. 20, je veux dire 20. Après, c'est qu'on a jusqu'à 25, d'accord, mais ça risque d'être un peu trop long la vidéo. Donc, je pense que on ira jusqu'à 20. Je vous ferai l'épisode de la vague 30. Je vous ferai la vague 30. Voilà, je vous ferai la vague 30. Je vous ferai la vague 30 pour. Voilà, la vague 30, tout simplement. Cala papa. Ah, c'est bon les amis. J'ai toussé. Excusez-moi. Voilà. Allez. Voilà. Et ouais, les amis, nous avons gagné. Allez, on va améliorer ceci, les amis. Là, je vais devoir bientôt couper la vidéo. Pour ça dure moins longtemps. Donc, du coup, c'est parti, je coupe. Et voilà, je suis de retour, c'est bon. Je peux améliorer tout ceci. Du coup, on va retirer ça. Et on va prendre les flèches, d'accord? Voilà. Et voilà, As est de retour. As, il est là. As, il est là, mon petit As. Il est vraiment bien, As, quand même. C'est un personnage assez stylé, je trouve.
Il est mort. J'adore cette partie, elle est vraiment marrant cette partie-là. Oh, le zombie est nouveau. Ben nous, on va invoquer ceci. Ils sont tous éclatés. Ah, qu'est-ce qu'ils sont vraiment nuls. On est plus fort qu'eux. Enfin, je sais, je triche un peu, vous allez dire, mais bon, voilà. Si je triche, c'est normal, c'est parce que le jeu n'existe plus, mais sinon, j'aurais pas triché s'il si existait un. Hein. J'aurais mis de l'argent dans le jeu. Le moment fou de rire de As. Fou rire. Fou rire de As. Avec ses autres collègues. Enfin, ses autres unités qui rigolent, là, ça. Ok, on a tout ça débloqué, les amis. On a tout ça débloqué. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Bon, du coup, on a une équipe un peu nulle, c'est normal, mais en vrai, ça, c'est bien, en vrai. Et ça, c'est nouveau. On a marqué nouveau. On a tout ça débloqué. Vous vous rendez compte? Tout ça. Ça. Et après, là, il devrait y avoir une nouvelle unité ici. Là, il devrait y avoir une nouvelle unité avec une autre page. Une autre page ici, mais ça n'a jamais été sorti. Parce qu'ils ont jamais fait de nouveau niveau. Ça vraiment grâce qu'ils ont fait Battle Studio. Ils ont jamais fait de nouveau niveau à ce jeu. Alors qu'il était très bon comme jeu. Il était trop bien fait. Moi, je le kiffais ce jeu. Je kiffais ce jeu. Il était trop cool. Moi, je le kiffe ce jeu. Voilà. Les amis, c'était trop cool. C'était vraiment trop cool, les amis. Bon. On continue. Bientôt la vague 10, hein, bien sûr. Non. Ça va être prêt à distribuer des épées. Oh, c'est trop marrant. Alors, on va faire ça. Le moment le plus marrant, c'est dans ces niveaux-là. C'est tellement marrant ce niveau. Allez, on y va. 3, 2, 1, let's go. Allez. Vous êtes prêts? On distribue plein d'épées. Ok, les amis, on y va, on continue. On y va, on y va, on y va, on y va. Tu. Alors là, désolé si je parle pas beaucoup, je suis concentré. Du coup, bah, je parle pas beaucoup dans cette vidéo parce que je suis concentré un peu. Du coup, voilà. Si vous entendez bien ma voix, dites-le moi dans les commentaires. Et que le son n'est pas trop fort. Peut-être baisser un peu le son encore. Voilà, parfait. Du coup, on va mettre ceci. On va un renfort de fou là.
Remonter un peu le son, c'était mieux. Ok. Ok, un nouveau unité, un peu plus fort. Bon, du coup, ils ont rien servi, les paysans. Les paysans ont rien servi. Les paysans n'ont rien servi. Donc du coup, je vais mettre des paysans et les pistes et c'est bon. Ça fera l'affaire. Allez, on reste ici maintenant. On reste AFK. C'est parti. On va améliorer lui, le forgeron. Qui est très bien d'ailleurs. Pour les lingots de fer. Allez, c'est parti. On améliore encore. Je reste AFK. On invoque les paysans. Et voilà les amis, maintenant passons à la vague suivante. Donc du coup, on va améliorer ceci. Coupure. Voilà, je suis de retour les amis. Maintenant, on y va, on améliore ceci. Allez, c'est parti. Là, ils sont en renfort là, ça y est. On commence à être de plus en plus en renfort. En renfort. Bientôt la vague 20 et on s'arrêtera là pour la vidéo. On a quand même tourné 18 minutes. Bon après voilà. C'est simple. Hein, c'est simple. On a fait 18 minutes de vidéo. C'est un peu long, je sais. Ça paraît un peu long. Au moins c'est fini. Comme ça on a fini. Et après voilà. Voilà, voilà. Du coup c'est parti avec les paysans. Ok, on y va. Vague 13, les amis. Les amis, on a vague 13, bientôt vague 14. Du coup, c'est moi qui m'en occupe maintenant de ces méchants. Bon, c'est vrai que je suis un peu plus fort quand même.
Attendez le livre tant que vous y êtes. Trenches. Regarde, le forgeron, il est aussi content d'avoir. Ok, les amis, garde armure maintenant, on va le maxer. Bon, les amis, c'est bon. Du coup, on va retirer ceci. On va mettre ceci. Voilà. On n'a plus besoin des épéistes. Après, je pourrais le reprendre, l'épéiste, mais bon. Après, il n'est pas très ouf, l'épéiste, quand même. L'épéiste, il n'est pas très. L'épéiste, il n'est pas ouf du tout, après. Enfin, il sert juste à donner des armes aux paysans. Il ne donne pas à autre unité. Après, s'il y avait d'autres unités qui ont besoin d'épée, oui, il aurait pu en donner d'autres unités, mais voilà. Voilà. Ça peut être un côté utile, mais bon, voilà. Il n'y a pas de nouvelle unité, il n'y a pas grand-chose de nouveau, donc du coup, bah voilà, quoi. C'est toujours le même jeu, à d'habitude, et quand le jeu n'existe plus, bah c'est toujours la même chose. On peut toujours y jouer, ça qui est cool. On peut jouer en local, c'est ça qui est cool. On peut jouer en local. C'est vraiment bien, ça. C'est vraiment très bien. C'est très bien de jouer en local, c'est vraiment bien, parce que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Arma vs Défense, j'aime beaucoup, je suis fan de ce jeu. Même s'il n'existe plus, bah moi je suis fan de ce jeu pour toujours. Et j'y joue quand même toujours, même s'il n'y a pas de nouveau niveau, rien. Voilà quoi. Vous voyez? Allez, deux gardes d'armure. Les gardes d'armure vont tout défoncer, regardez, ils sont niveau masse, ils vont tout défoncer. Ok, un nouveau héros qui est apparu. C'est un héros. En fait, c'est un héros celui-là. C'est un héros. C'est savoir, c'est lui le héros. C'est un héros aussi. Et vous amusez? Notez 5 étoiles. Sauf qu'on peut plus noter 5 étoiles. On peut plus noter 5 étoiles parce que malheureusement, bah c'est dommage, on peut plus avoir 5 étoiles. On peut plus noter 5 étoiles, c'est dommage. Bon, allez, on va max l'unité. Voilà, du coup on va aller jusqu'à la vague 20, comme je vous fais plaisir. Comme ces vidéos un peu longues, je vous fais plaisir. Du coup je vous fais plaisir, voilà. Oups, on avait oublié de prendre l'unité. Parfois je coupe de temps en temps, mais je coupe pas de temps en temps. Donc, du coup je coupe, ça dépend quand je coupe tout ça. Ça dépend quand je coupe, vous voyez, ça dépend. Il fait comme Roblox. Ah, c'est fait comme ça. Il fait c'est trop marrant. Trop marrant. Ah là là, putain. Allez, vivons la vague 20 et après on s'arrêtera pour la vidéo parce que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos ce moment. Enfin, si j'en fais des vidéos, mais voilà. J'ai pas non plus trop le temps. Vous voyez? Donc voilà. On s'arrête jusqu'à la vague 20 et on reprendra après. Voilà. On reprendra après, vous inquiétez pas. Allez. On reste AFK un petit peu. Vite fait, voilà. Vite fait. Voilà. Vague 20. Voilà. On a la vague 15. Après la vague 16. On va invoquer les gardes d'armure. Thank you.
Allez, un héros qu'on invoque. Avec une étoile en plus, c'est génial, hein. Une étoile. C'est vraiment génial, une étoile. Ouais, j'ai coupé, je sais pas faire quoi là. Ok, les amis, c'est bon, on a vague 16. Du coup, on y va, on continue. Sans discuter, allez, on y va, c'est après. La vidéo s'arrêtera bientôt. Je vous ferai un prochain épisode d'Army of Darkness Defense. Bah, soit demain, soit ce soir, on verra. Ou plutôt, comme je suis puni, enfin la partie 2. Comme je suis puni, vous inquiétez pas, je vous avais pas menti. Comme je suis puni, partie 2, je vous ferai. Pour apprendre la Nianbo. Voilà, apprendre la Nianbo, vous voyez. Voilà, quoi. Donc, let's go, c'est parti. On invoque des gardes d'armure. Niveau max, en plus. C'est génial. Génial, génial. Gardes d'armure. Voilà. Juste faire une petite story de Facebook. Voilà. Allez, c'est parti. Faire une petite story. Et voilà, la petite story est faite, je l'enverrai sur Facebook. Et voilà les amis, on est à la vague 17 les amis, donc du coup on continue. Ouais, les amis, je suis en train de combattre les ennemis, voilà. Et je veux dire, je suis dégueulasse, hein, ce que je viens de faire tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez ma tête, je sais pas. Je sais pas si vous voyez ma tête ou pas. Voilà, il va se faire défoncer, c'est bon. En plus, dans le boost, en plus critique. Voilà, les amis, on continue la vague. Sans discuter. Allez, on y va. Et après, dans cette vidéo, je ferai la deuxième partie de Darkness Defense. Bah, Army Darkness Defense, c'est la deuxième partie. Bah, la deuxième partie, bah, la deuxième partie de. Pour la vague. Là, jusqu'à la vague de 20, 25 ou 30, je verrai. Et voilà. Ok, un nouveau héros, les amis. Un nouveau héros. Voilà, un nouveau héros, les amis. On débloque cet héros. Ce héros, je veux dire, ce héros. Pourquoi je dis cet héros? Cet héros.
Enfin, ce héros. C'est plus français. Nous avons Arthur, les amis. Deuxième story. Voilà, je vais faire deuxième story. Voilà, les amis, deuxième story sur Facebook. Et on débloque ceci. Arthur. Unité unique. Accompagner les archers. Les dégâts moyennes. Santé élevée. Voilà, du coup, les amis, c'est parti. Précédent, on va retirer les paysans. Et on va mettre ceci. Vous êtes prêts? On a oublié de le maxer, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, du coup, on va faire la vague 20. Et voilà. 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 Voilà les amis, c'est bon. On est bien parti. Je sais pas si vous entendrez ma voix malheureusement. Je sais pas si vous entendez ma voix. Si vous entendez ma voix, c'est pas bon. Si vous entendez ma voix, tant mieux. Si vous entendez pas ma voix, c'est bizarre. Voilà. Allez, attaquez, attaquez, attaquez. Et voilà les amis. Voilà, on a gagné les amis. Vague 20, donc on s'arrête pour cette vidéo. On va s'arrêter pour cette vidéo, les amis et les gars. Donc, du coup, on s'arrête pour cette vidéo de Army of Darkness 20. Je vous ferai la partie de Army of Darkness 20 peut-être demain ou ce soir. Aujourd'hui, ce soir ou demain, on verra bien. Donc, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous. Et ciao tout le monde et peace, les amis.